Salut, c'est Tuto Facile France. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto un peu particulier. Ça va être sur GTA V pour avoir plein d'argent à l'infini. Le seul souci, c'est que c'est que pour deux personnages. Parce que quand j'ai fait les tests, moi, avec Michael, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est pour Franklin et Trevor. Je vous donnerai une autre astuce pour Michael à la fin du tuto. Donc on se retrouve en plein milieu de la mer avec Franklin. Donc, on va aller sur la carte pour regarder où ça se trouve. Donc, je vais vous mettre des petits repères, des sortes de ronds rouges pour vous indiquer. Donc, sur l'axe vertical, non, je commençais par l'horizontale. Oui. Voilà, donc c'est à cet endroit-là qu'il faut le placer. Et sur l'axe vertical, c'est à peu près à cet endroit-là qu'il faut le placer, voilà. Et donc au milieu, il faut se mettre bien au milieu de ces deux points-là, donc ici exactement. Et c'est parti. Donc je vais vous montrer. Vous plongez et vous allez arriver à une sorte de plateforme engloutie et une petite mallette de 25 000 euros, 25 000 dollars, peu importe. Et poser là gentiment. Donc ce truc est basé sur un petit, une sorte de glitch, de bug. On va switcher le personnage, donc ça c'est faisable à partir du moment où vous allez avoir deux personnages, et ça marchera qu'avec Franklin et Trevor quand vous aurez Trevor un peu plus tard. Et donc le fait de switcher de personnage, ben, en fait quand vous allez là, on va revenir direct avec Franklin. Et vous pouvez choisir n'importe quel autre personnage hein, après pour faire le switch. Vous revenez à Franklin et vous allez voir que tout votre oxygène est revenu à fond et que la mallette est réapparue. Donc là je l'ai prise, on refait un switch. Deux personnages. Et vous pouvez répéter ça autant de fois que vous voulez. Donc vous allez voir que c'est assez rapide. Là, je viens de récupérer 25 000. J'ai fait le switch. J'ai récupéré 25 000. Je refais le switch. Hop, encore une fois. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un petit lance-roquette qui est déposé sur le fond marin autour de la plateforme. Donc vous voyez que la mallette est réapparue encore une fois. Donc ça fait 25 000 de plus. Et donc vous voyez que en se dépêchant bien et si on arrive à pas trop galérer à diriger le personnage dans l'eau, on peut arriver facilement aux 300 000 dans les 5 minutes. Après, je vais aussi, il y a une autre petite solution, hein, une fois que vous avez utilisé ça et que vous avez plein d'argent, un peu plus tard dans le jeu, vous allez débloquer la bourse en ligne et puis vous allez aussi débloquer un peu plus tard des missions assassins, où vous devrez aller tuer des gens. Donc souvent par téléphone, on va vous contacter et il y a quelqu'un qui va vous dire bah tiens, va tuer le patron de telle entreprise. Alors avant d'aller le tuer, vous allez aller sur internet, vous allez mettre tout votre argent sur l'entreprise concurrente de la boîte où vous devez tuer le patron. Et donc vous allez après faire la mission, vous tuez le patron de la boîte, vous retournez chez vous, vous dormez deux fois de suite pour laisser passer 24 heures et vous retournez en ligne voir que vous aurez gagné plein d'argent vu que la boîte concurrente à celle, enfin la boîte où vous aurez tué le patron aura coulé du coup et par la même occasion ben, la boîte concurrente aura gagné plein d'argent. Donc je vais vous montrer maintenant l'endroit qui est faisable avec les trois personnages des 12 000. Donc en bas vous avez ce que je viens de vous montrer à 25 000 et en haut les 12 000. Donc vous placez votre axe à peu près à l'endroit indiqué là et ça sera une espèce de queue d'avion avec un espèce de carré au bout de la queue de l'avion et la mallette elle est juste sur un bord du rectangle. Voilà, c'était Tuto Facile France, j'espère que cette petite astuce vous a servi et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.